La première source d'inspiration pour le roman Galadio, c'était en 1998 quand j'ai écrit Cannibal. Donc j'ai rassemblé beaucoup d'informations sur les années 30 et sur comment les Noirs en Europe qui se retrouvent comme ça dans un continent qui n'est pas le leur du fait de la colonisation. Il y a des gens d'un seul coup qui arrivent en Europe, il y a véritablement un bouleversement. Donc je suis tombé sur un petit livre qui était un livre bilingue, qui était en français et en allemand. Alors, pas tous les textes allemands n'étaient pas traduits, mais il y en avait certains, donc il y avait les deux versions. Et c'était les actes d'un colloque, donc des universitaires qui s'étaient réunis en Allemagne pour parler de ces questions, comme ça, de la présence de peuples africains, de gens venant de peuples africains en Europe. Et un de ces articles était consacré aux troupes coloniales françaises qui avaient occupé l'Allemagne en 1918 et début 1919. Et donc il y avait un article là-dessus. Et il était signalé dans cet article que lorsque les troupes coloniales avaient occupé, après la fin de la guerre, après la défaite de l'Allemagne en novembre 1918, une partie de ces troupes était restée quelques mois sur la vallée Rhénane, dans la Ruhr et tout, et qu'il y avait des enfants qui était né de rencontres entre des soldats français des troupes coloniales et qui étaient des soldats sénégalais, maliens, le Soudan français, ce qu'on appelait à l'époque le Soudan français, des troupes malgaches, des troupes antillaises, algériennes, vietnamiennes, marocaines. Donc il y a des enfants qui sont nés, on estimait à 1 millier le nombre d'enfants qui étaient nés de ces rencontres amoureuses en 1918-1919. Voilà, donc ça a été la première source, et à partir de là, j'ai cherché des livres qui parlaient de ça, il y en avait très peu, et puis il y a deux livres qui, par la suite, ont été publiés dans les années après 2000. Il y a un livre qui s'appelle « La honte noire », d'un historien qui s'appelle Le Naour, et puis un autre livre dont j'ai plus le titre, qui est paru au Cherche-Midi, d'une autre historienne qui s'appelle Madame Kokri Vidrovitch, qui a écrit sur ces questions-là. Donc il y a deux livres qui ont été publiés sur ces questions, et ça a été les principales sources d'information. Ça a été les actes du colloque qui s'était déroulé à Francfort, je crois, en 1989. Et puis ensuite, ces deux livres-là. Et puis un troisième livre d'un Antillais, qui est un journaliste antillais qui s'appelle Serge Billet, Serge Billet, B-I-L-E, Serge Billet, qui a écrit un livre qui a été controversé parce qu'il y avait certaines informations qui étaient très discutées et qui avait écrit Noir dans les camps nazis, donc sur des Noirs qui ont été incarcérés dans les camps de concentration allemands. Pourquoi avez-vous choisi l'histoire de tirailleurs sénégalais? Alors, ce sujet-là, il était là depuis 1998, donc ça faisait 12 ans que je tournais autour de cette question. Et je pense que, j'ai écrit plusieurs romans ces derniers temps, et je pense que la raison essentielle qui m'a poussé à m'intéresser aujourd'hui à ces questions et à les interroger, c'est que je ressentais une véritable honte dans ce pays. Quand il y a eu la création en France, d'un ministère qui s'appelait le ministère de l'identité nationale et de l'immigration, le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Et donc, que dans ce pays, il y a un ministère qui associe ces termes, identité nationale, immigration, il y avait quelque chose qui, pour moi, était une sorte d'insulte à la mémoire de ce qui a pu se passer en France dans les 50, 60 dernières années. C'est-à-dire, c'est un ministère qui me semblait être un ministère qui montrait du doigt une partie des gens qui habitent et qui travaillent dans ce pays. Et donc, je voulais pas, moi, faire un livre polémique en disant frontalement comme ça et tout, mais de passer un petit peu. La littérature, c'est toujours une manière de prendre les chemins buissonniers, comme ça, de dire des choses importantes, mais pas de le dire frontalement, et
de rappeler un petit peu que quand on touche à des sujets comme identité nationale et tout, il faut vraiment faire très, 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 très attention. C'est des sujets extrêmement, extrêmement difficiles, délicats. Et c'est pas le rôle, à mon avis, d'un ministre à réfléchir à ces questions-là. Il y a tout un tas de gens, il y a des philosophes, des historiens, il y a tout un tas de gens qui devraient être à parler de ça et à y mettre toutes les nuances. Pourquoi pas les romanciers aussi. Comment, ou de société d'il y a un siècle et demi, il y avait quelque chose comme ça, comment, où il y avait un manque d'habitude, il y avait des préjugés, une manière de voir le monde, donc ça paraissait choquant. Donc il y avait des habitudes culturelles héritées du fait que, comment, il y avait les continents et les peuples se rencontraient assez peu. Ou alors ceux qui se rencontraient, c'était des guerres qui se passaient entre les frontières. La différence entre un Français, un Allemand, et ainsi de suite, n'était pas si grande que ça. Là, ce qui se passe, c'est d'un seul coup des continents extrêmement éloignés et où le nombre de gens qui viennent, c'est pas simplement 500, 600 personnes. Quand il y a les troupes coloniales qui viennent en 1916, 1917, c'est des centaines de milliers de personnes qui viennent. Et d'un seul coup, dans la tête des gens, il y a une visibilité comme ça de gens venus d'ailleurs. Puis la guerre de 14, c'est l'immense bouleversement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent d'Afrique, il y a des gens qui viennent des Antilles, il y a des gens qui viennent du Vietnam. Il y a les Anglais qui font venir des gens d'Inde, des Hindous. Donc d'un seul coup, il y a une masse par millions de personnes au cœur de l'Europe. Et d'un seul coup, c'est pour les sociétés européennes, d'un seul coup, ils n'ont pas encore assimilé les choses. Et c'est un choc. Le choc de la guerre et puis du mouvement de population est extrêmement, extrêmement brutal. Et les gens sont encore sur une manière de penser qui est héritée des siècles et des habitudes culturelles. Donc il y a cette part de choses. Ça, c'est une première réponse. Et puis, il y a le cas particulier de l'Allemagne, où d'un seul coup, ce sujet de la rencontre entre des jeunes femmes allemandes et des soldats des troupes coloniales va être considéré comme une salissure du sang. C'est plus une rencontre amoureuse. Et par exemple, en Allemagne, en 1919, quand il y a les premiers enfants qui naissent, il y a une campagne qui est menée par les cercles nationalistes et puis les cercles de l'extrême droite allemande qui saisissent de ça et qui refusent totalement l'idée même que des jeunes femmes allemandes auraient pu tomber amoureuses de soldats des troupes coloniales. Donc ils disent « tous ces enfants sont nés de viols ». Et pour eux, les troupes coloniales sont obligatoirement des sauvages et des gens qui ne peuvent pas avoir de sentiments. Et donc là, on rend une partie de l'humanité, on les transforme en animaux qui sont à l'affût pour sauter sur les jeunes femmes qui passent, et ainsi de suite. Donc là, on a le recours, pour des raisons politiques, au thème de l'animalité et donc de l'impossibilité pour des Africains d'être animés par des sentiments humains, c'est-à-dire la solitude, l'amour, et ainsi de suite, d'avoir toutes ces données-là. C'est quelque chose de totalement impossible dans le discours qui est mené en 1919-1920. Et ça va avoir vraiment une très très grosse, un très très grand impact sur la société allemande, ce rejet et la considération comme ça que les troupes coloniales ces gens ne sont pas des hommes. Et ça va structurer pour une part le parti de Adolf Hitler. Il y a une chose, c'est que il y a tous les traités qui sont signés après la guerre de 14, de 14-18, et puis ensuite il y a l'envoi,
Il y a un pays, l'Allemagne, qui est en extrême difficulté, parce que l'Allemagne était un empire, et d'un seul coup, l'empire se liquéfie, comme d'autres empires, hein, comme quelque temps auparavant, l'empire russe, et d'un seul coup, il y a une désorganisation totale du pays, et il y a l'instauration d'une république qu'on va appeler la République de Weimar. Et donc on est dans une période extrêmement compliquée. Il y a un début de révolution en Allemagne aussi, ce qu'on appelle la révolution spartakiste. Donc c'est un pays en totale difficulté au niveau des institutions. Donc il y a cette première raison. Il y a la deuxième raison, qui est une raison pour la France de s'assurer aussi, puisqu'il y a des dommages de guerre qui vont être très importants. L'Allemagne va être condamnée à des dommages de guerre très très importants. Il y a aussi une manière de s'installer dans les régions industrielles pour que la France se garantisse d'être payée de ces dommages de guerre, puisque l'essentiel de la guerre de 14-18 a eu lieu sur le terrain français. Et les destructions, pour l'essentiel, ont été sur le territoire français. C'est des destructions des villes entières, des villes comme Reims, enfin bon, de très nombreuses villes ont été pratiquement rasées. Tout le nord industriel a été extrêmement, extrêmement abîmé. Donc il y a toutes ces raisons-là qui conduisent la France à occuper cette partie stratégique de l'Allemagne. Et puis, la question qu'il faut se poser, c'est aussi pourquoi la France décide d'envoyer un contingent très important de troupes coloniales. Et donc là, il y a dans ces raisons-là, il y a une raison qui est une raison de politique d'humiliation du peuple allemand. Il y a véritablement cette question-là, qui est une sorte de mesure d'occupation de l'Allemagne avec un point de vue raciste. On va leur envoyer, entre guillemets, des sauvages. Donc on occupe comme ça le cœur de l'Allemagne avec les troupes coloniales. Donc il y a cette arrière-pensée dans le fait d'envoyer des troupes coloniales extrêmement nombreuses, ce qui va provoquer une levée de boucliers très importante en Allemagne, une campagne contre l'occupation de l'Allemagne, de cette partie de l'Allemagne, par des troupes coloniales, et l'état-major français et le gouvernement vont être obligés de reculer et d'enlever, au bout de quelques mois, les troupes coloniales. Donc on est dans un processus aussi, un processus d'humiliation du peuple allemand. Pourquoi avez-vous choisi l'histoire de la propagande nazie sur la prétendue complicité entre les Juifs et les Noirs? Alors, cette thèse-là comme quoi l'occupation de cette partie de l'Allemagne par les troupes coloniales serait la finalité du complot juif contre l'Allemagne, je l'ai découvert en travaillant. Par exemple, les sources d'information pour écrire mon livre, une des sources d'information, ça a été un des pires livres qui ait jamais été écrit, c'est Mein Kampf d'Adolf Hitler, un livre que j'avais pas lu. Mon attention avait été attirée par le fait que j'avais des citations de Mein Kampf dans ma documentation qui parlaient de l'occupation par les troupes coloniales françaises. Et comment je l'avais jamais appris, ça, à l'école, nulle part, on m'en avait jamais parlé. Donc je me suis procuré un exemplaire du livre Mein Kampf, qui est un livre qui est publié, qui n'est pas interdit en France. Hein, si les gens le publient, ils sont obligés de le publier avec un avant-propos, avec un papier de couleur différente, pour dire que ce livre a provoqué des millions de morts et que c'est un livre qui a une charge raciste, antisémite, extrêmement violente. Donc j'ai lu ce livre-là, et là je me suis aperçu. Alors j'ai fait une chose, c'est que on lit toujours un livre avec une grille de lecture. Donc ce livre a souvent été lu comme un livre contre les Juifs. Hein, et tout ce qu'il est, hein, c'est un livre à vomir, tellement il y a un antisémitisme absolument effrayant. J'aime pas le terme, mais c'est totalement maladif. C'est quelqu'un qui est obsédé par la figure du juif, il le voit, il en voit partout, 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 quoi. Et je l'ai lu non pas avec cette grille de lecture, mais je me suis dit, à chaque fois que je vois une allusion à l'Afrique,
aux Noirs et ainsi de suite. Je note la page, je fais une photocopie, je regarde. Et c'était toutes les 10 pages. C'est-à-dire que l'obsession du monde juif et l'obsession d'être que le sang allemand soit sali par le sang juif et l'obsession que le sang allemand soit sali par le sang africain, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il y a la même chose. Et à un moment, il y a plusieurs pages de Mein Kampf où Hitler explique dans sa tête son schéma comme ça du monde, c'est que la révolution française est une révolution qui a été faite par les juifs, que comment les juifs, comment ils ont qu'un souci, c'est de détruire l'Allemagne, et qu'un jour ils parviendront à provoquer une guerre où l'Allemagne sera vaincue et que l'Allemagne sera occupée par les troupes coloniales du cœur de l'Afrique que la France aux mains des juifs mettra au cœur de l'Allemagne. Enfin, on a l'impression de dire quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui est saisi par une totale folie. Mais c'est ce qu'il y a dans ce livre-là. Et donc, il explique la manière de se débarrasser de cette menace. Et donc, ce livre-là a été écrit au début des années 20, juste après l'occupation par les troupes coloniales d'une partie de l'Allemagne. Et donc ça a provoqué comme ça ce délire absolument effrayant dans la tête de Adolf Hitler, et ça va le conduire, quand malheureusement il parviendra au pouvoir, à exterminer une grande partie des juifs d'Europe, et puis à faire la chasse aux métis qui avaient sali, selon lui, le sang allemand. Leur identité à chacun, parce que il y a une traque qui a été faite, les nazis ont véritablement recensé, il y a un état civil, donc dans les recherches que j'ai faites, il y a des noms, il y a des prénoms, ça. Alors il y a les métisses de troupes coloniales françaises avec des jeunes femmes allemandes, mais il y a aussi, l'Allemagne avait des colonies avant 1918, Togo, Tanganyika, Cameroun, et ainsi de suite. Donc il y avait des Africains qui étaient venus en Allemagne, qui étaient des sujets de l'Empire allemand, et qui se sont mariés avec des Allemandes, et il y a eu des enfants métis aussi qui sont nés d'Allemands originaires du Cameroun, ou du Togo, ou d'autres pays sous domination allemande. Et les Allemands, en 1918, une des conséquences de la guerre, c'est qu'on leur a supprimé leurs colonies, qui ont été réparties entre la France, l'Angleterre, et ainsi de suite. Hein. La guerre de 14-18, ça a été aussi un nouveau partage du monde en 1918. Hein. L'Europe a été bousculée, mais les colonies allemandes d'Afrique ont été dépecées, et puis... chacun s'est partagé la dépouille. Pourquoi avez-vous choisi l'histoire de ce personnage ? Le roman est devenu possible. J'avais les éléments comme ça sur le roman. C'est quand je suis tombé sur les informations concernant le fait qu'il y avait la rafle des enfants métis, et qu'une partie de ces enfants métis ont été envoyés à Berlin pour jouer dans des films de propagande nazie. Et donc là, d'un seul coup, il y avait ce côté totalement imaginaire, comme ça, du cinéma allemand, du Hollywood nazi, hein, qui s'appelait Neue Babelsberg. Donc c'est à côté de Berlin, vers Potsdam. Ils ont construit des studios absolument extraordinaires, comme Mussolini, l'autre dictateur, avait construit Cinecittà. À côté de Rome, c'était parmi les studios de cinéma les plus modernes, avec le plus de moyens, et il y a eu véritablement tout un travail autour du cinéma. Donc il y avait ça, quoi. Il y avait ce monde, et à partir de ce moment-là, le personnage de Galadio, il y avait la rafle, et c'était plus simplement une victime. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire de traiter le personnage non pas simplement comme une victime. Il lui arrive tous les malheurs du monde. Son père a disparu, il va apprendre qu'il est mort. Sa mère est victime de tout un tas de vexations et tout. Lui-même, il échappe à la stérilisation. Enfin bon, il lui arrive que des malheurs. Mais
il y a d'un seul coup l'échappée vers le cinéma, et ça va lui permettre de, comment, une évasion, et puis de redevenir lui-même. Hein, donc on veut en faire un sujet, on veut en faire un figurant de sa propre vie, et il devient acteur de sa propre vie. Hein. Donc d'un seul coup, il y a tout le parcours du personnage, et je me suis dit, bon, dès l'instant où le personnage redevient acteur de sa propre vie, alors qu'on veut qu'il soit soumis aux événements et qu'il soit simplement un figurant de dernière zone. Donc là, c'est intéressant, on peut en faire un livre. Ils ont stérilisé une partie des métis, tout simplement parce qu'il y avait cette peur panique de que le sang arien. Alors Hitler, comment, dans tout son délire, comme ça, il disait qu'il y avait une pureté du sang allemand, le sang arien, et que l'Allemagne était le seul pays pratiquement où on gardait cette pureté du sang, et cette pureté du sang donnait des gens d'une qualité supérieure à tout niveau, physique, morale, et tout, c'était des costauds et tout, il suffit de voir Hitler pour voir un petit peu. Physiquement, c'est le contraire de ce qu'il disait dans ses livres, c'est assez marrant. Il y a Charlie Chaplin qui s'en est bien servi dans le film Le Dictateur. Mais il y avait ça. Et donc, une des obsessions de Hitler, c'est de garantir la pureté du sang allemand. Et donc, qu'il n'y ait pas de salissure. Et donc là, avec les métis, d'un seul coup, il y avait une partie du sang africain qui allait envahir le sang allemand. Et il avait même fait faire des études par des scientifiques. Alors là, je mets 25 guillemets à scientifiques nazis. Hein, donc des sociologues, enfin tout un tas de gens, des biologistes, et ils sont parvenus à une chose, c'est que si on laissait les métis faire des enfants à leur tour, au bout de deux siècles, 15 ans et je ne sais pas combien de jours, tout le sang allemand serait contaminé par le sang africain. Enfin, c'est de la folie complète, quoi. Et donc, pour faire en sorte que la salissure dans leur esprit s'arrête, il fallait stériliser les métis pour pas qu'ils aient d'enfants, quoi. C'était pour arrêter la déperdition de la vitalité allemande par la pureté du sang. Et donc, quand je dis ça, comment je m'entends le dire et tout, c'est affolant, quoi. C'est-à-dire que c'était il y a 60 ans, hein, il y a un petit peu plus de 60 ans, 70 ans, il y avait au cœur de l'Europe un peuple absolument extraordinaire, qui est le peuple allemand, qui avait été pris dans ce type de réflexion et qui en avait fait, sa loi fondamentale. C'est une chose à cette période-là, c'est assez ignoré ça aussi, c'est-à-dire que le régime nazi a été obligé de reculer sur certains points. Et un des principaux actes de résistance du peuple allemand à l'idéologie nazie, c'est quand les nazis ont voulu stériliser et tuer les malades mentaux. À ce moment-là, il y a les familles, il y a eu des protestations, il y a beaucoup de gens qui ont écrit à Hitler, l'Église protestante aussi a fait pression, et les nazis ont été obligés de reculer sur cette question. C'est-à-dire qu'ils ont fait une chose administrative, c'est-à-dire pour faire la stérilisation ou l'extermination des malades mentaux, il fallait l'autorisation de la famille. Donc il fallait faire signer la famille. Il y a des familles qui, sous la contrainte, ont signé, mais il y en a qui ont protégé des malades mentaux et tout. Et ça a été une des seules fois où le régime nazi a été obligé de reculer. Et comme c'était au même moment que la stérilisation des métis, il y a une partie des métis, je pense une partie importante, on parle de 60%, hein, plus de la moitié qui ont échappé à la stérilisation, même des familles qui les ont protégées. Et il n'y a pas eu véritablement d'extermination, donc il y en a qui ont vécu après-guerre. Certains métis ont été utilisés comme figurants dans des films de propagande nazie, donc j'ai vu certains de ces films, et puis surtout
J'ai retrouvé des documents comme ça, des morceaux de scénario, de Congo Express, enfin des films Caoutchouc, tous les films que je cite, Carl Peters, tout ça. Donc il y a toute une série de films qui ont véritablement existé. Et le cinéma nazi a eu beaucoup, beaucoup de subventions. Ça a été un élément important de propagande du régime de Hitler. Qu'ils faisaient très très attention comme ça au travail sur modifier la langue, la maîtrise des journaux, de la radio et du cinéma. Ils faisaient des recherches sur la télévision et tout. Tous les éléments de propagande ont été très très importants pour le régime nazi. Et comme les Allemands avaient perdu toute leur colonie en 1918, à la fin de la guerre de 14-18, ils ont essayé d'une certaine manière de les reconquérir par le cinéma. Et donc ils ont fait des films où ils disaient les Anglais ont fait de la colonisation, les Français et tout, mais la meilleure colonisation, c'était la colonisation allemande et tout. Et donc c'était un élément important, la nostalgie des colonies perdues. A été utilisé par le régime nazi, et les films Caoutchouc, Congo Express et tout ont été des films qui ont bénéficié d'énormément de moyens. Donc j'ai découvert ça quand je préparais le livre, et ça m'a semblé important de le mettre. Mais par exemple, quand les mouvements d'extrême droite, les mouvements nationalistes disaient que ces métis étaient nés de viol, bon, Hitler a fait tourner des films de propagande où il utilisait les figurants métis comme ça pour simuler des attaques et des viols. Donc il y a des films qui ont été faits sous forme d'actualité reconstituée. Donc on a ces films-là qui... Quand vous voyez les films des années... les films des années 20, des années 30, des années 40, des années 50, les Tarzan, toutes ces choses-là, vous avez une représentation des Africains qui est une représentation, alors, comment ? Ou alors ce sont des sauvages, des cannibales, ou au mieux, ce sont de grands enfants. Et donc il y avait une, majoritairement, l'image de l'Africain, c'était ça, ou le sauvage qui était prêt à manger le missionnaire, ou alors, au mieux, c'était un grand enfant qu'on pourrait civiliser, à qui on pourrait apprendre à faire certaines choses. Donc on a cette représentation majoritaire, et les gens qui représentent les Africains ou les peuples colonisés autrement, c'est-à-dire comme des gens indépendants et tout, ils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement rares. Hein, il y a, par exemple, en langue française, il y a quelqu'un comme Georges Simenon qui a écrit des choses absolument extraordinaires sur, au moment de ses voyages en Afrique. Il a pris parti pour les peuples colonisés dans ses textes. Puis bon, un écrivain français qui a laissé des textes sur le Congo aussi, qui s'appelle André Gide aussi, qui avait un regard comme ça et qui était un regard non pas de compassion, mais un regard d'égalité sur les peuples colonisés qu'il a rencontrés. Mais c'était vraiment extrêmement, extrêmement minoritaire. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. C'est pas... Moi, je l'ai mis à côté de Lyon. Et à côté de Lyon, il y a même un monument en mémoire des soldats qui ont été écrasés et des blessés, qui ont été écrasés par les chars allemands, donc les troupes coloniales, qui ont été massacrés et écrasés, écrabouillés comme ça, c'est effrayant. Ce monument s'appelle le Tata, à côté de Lyon, comme ça. Vous cherchez sur Internet, vous verrez les photos, il y a toute l'histoire et tout. Il a même été inauguré sous le régime de Vichy. Donc il y a des choses contradictoires, oui, c'est... c'était une sorte de monument à l'armée française, et donc il y a eu un massacre et il y a eu en même temps cette inauguration, je crois en 43 ou enfin 42 ou 43. Et il y a eu d'autres cas comme ça dans le nord de la France de soldats, surtout les soldats noirs comme ça, qui ont été tués de manière absolument abominable par les troupes allemandes. Tout simplement parce que c'était une sorte de vengeance contre la France qui avait humilié l'Allemagne
pendant la guerre de 14-18 en utilisant des troupes coloniales. L'Allemagne avait des territoires coloniaux en Afrique, mais l'Allemagne n'a jamais utilisé de soldats venant des territoires coloniaux pour la guerre de 14-18. La guerre de 14-18 du côté allemand, elle a été menée uniquement avec des troupes dans les frontières de l'Allemagne européenne. Alors que là, ils considéraient que la France avait été déloyale en faisant venir des troupes venant d'un petit peu partout dans le monde. Et donc, c'était une sorte de vengeance contre la France. Et il y a un épisode sur cette question des troupes coloniales, qui est un épisode important, et c'est relaté dans un tout petit livre, qui est un livre posthume, bien sûr, de Jean Moulin, puisque Jean Moulin était préfet d'Eure-et-Loir, il était à Chartres, au moment de la défaite de la France. Les Allemands sont arrivés jusqu'à Chartres, ils sont arrivés sur la Loire et tout, et à ce moment-là, il y a eu des bombardements, il y a eu beaucoup de dégâts et tout, de gens qui fuyaient comme ça, qui fuyaient l'avancée des troupes allemandes. Et les Allemands ont voulu obliger Jean Moulin à dire que les troupes coloniales faisaient des massacres, violaient des femmes et tout, et ce qui était absolument faux. Et les Allemands ont rassemblé des corps mutilés. Et ils ont jeté Jean Moulin sur les corps mutilés en disant « Vous voyez bien ce qu'ils font, vos sauvages ?» Et en fin de compte, c'était des victimes de bombardements. Et Jean Moulin a refusé de signer. Ils l'ont frappé, ils l'ont mis avec les cadavres dans la morgue et tout. Et le soir, il a été jeté il y avait une école qui servait de prison. Il a été mis dans une des pièces de cette école-prison avec des soldats noirs. Et les Allemands lui ont dit « Puisque tu les aimes tellement, tu n'as qu'à passer la nuit avec. » Et dans la nuit, il y avait une vitre cassée, il a pris un morceau de verre, il a essayé de se suicider en s'ouvrant la gorge. Et Jean Moulin, qui a été un des organisateurs, il a survécu, il a été sauvé, et il est devenu un des organisateurs de la résistance française. Mais il a été confronté comme ça à cette véritable sauvagerie des Allemands, vis-à-vis des troupes coloniales, et puis la manière dont ils les traitaient de barbares, de violeurs, de cannibales qui découpaient les corps, et ainsi de suite. Et c'est dans un tout petit livre de Jean Moulin, donc c'est un livre posthume. Il avait commencé à écrire ses mémoires, et ça s'appelle « Premier combat ». Tout petit livre qui est aux éditions de Minuit. C'est un des premiers livres édités aux éditions de Minuit, à la Libération. Et il y a une préface du général de Gaulle. Il y a une page de préface de ce livre-là. C'est une préface du général de Gaulle. Et donc, premier combat de Jean Moulin, ça se lit en une demi-heure, une heure, quoi. C'est vraiment un tout petit livre, mais c'est vraiment un livre important. Vraiment un personnage qui, le long du roman, il est victime du regard des autres. Il est victime du discours que les autres tiennent sur lui. Lui se vit totalement, il a envie de savoir où est passé son père, il a envie de voir sa famille, donc il a besoin d'avoir tous les éléments de son histoire qui lui échappe, mais partout où il va, il est quelqu'un d'amoindri, on ne le prend pas en compte pour lui-même, mais on le prend en compte pour ce qu'on a envie d'aller chercher chez lui. Chacun vient faire son marché dans sa personnalité et en prend qu'une petite partie. Donc c'est un petit peu ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore en France, c'est la même chose. Par exemple, il y a une expression, immigré de la troisième génération, quatrième génération. Attends. Il y a des gens qui sont français, ils sont nés français. Leur père et leur mère sont nés français. Leur grand-père et leur grand-mère sont nés français. Et l'arrière-grand-père... Il est né algérien, l'arrière-grand-mère est née marocaine, par exemple. Et aujourd'hui, 60 ans après, on dit qu'ils sont immigrés de la quatrième génération. Enfin, c'est une folie complète. Moi, on ne m'a jamais dit que j'étais immigré belge de la quatrième génération, ce qui est mon cas. Hein, et puis je l'aurais assez mal pris, même si j'aime beaucoup la Belgique. Mais pourquoi être renvoyé à un état antérieur de son histoire. Ce qui est à apprendre, c'est aujourd'hui.
Et donc on est dans une société qui a du mal comme ça à véritablement intégrer sa diversité. Il y a une diversité de la France, et donc c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et donc les gens doivent être pris pour ce qu'ils sont. Et dans ma famille, par exemple, mes nièces et mon neveu qui portent un nom algérien, ils ont subi des discriminations parce qu'ils portaient un nom algérien dans ma famille. Et il faudrait qu'elles soient là, toutes les deux, Vanessa et Sabrina. C'est des grandes fleurs avec des yeux bleus, puis des cheveux blonds et tout. Donc, c'est même pas l'apparence physique. C'est d'un seul coup le fait d'être stigmatisé parce qu'il y a un nom qui n'est pas un nom bourguignon, qui n'est pas dans Lyon depuis 27 générations et tout. Donc on est un pays qui a du mal à se moderniser sur cette question-là. La manière dont je l'ai écrit, je vous ai dit les circonstances, c'est-à-dire qu'en France, il se passe des choses avec lesquelles je suis en désaccord. Et donc j'écris comme un livre où quelqu'un, Galadio, a une identité totalement morcelée. C'est-à-dire que lui, il se vit, au début du roman, Galadio, il se vit comment? C'est un jeune Allemand, il s'appelle Ulrich Rudon. On ne lui a pas dit qu'il s'appelait Galadio. Il se vit pleinement allemand, à tel point que l'Allemagne est devenue nazie, et lui, il veut devenir un serviteur de Hitler au début. Hein, il se vit comme ça, il est dans ce pays, c'est un jeune, il est comme tous les autres Allemands. Et puis après, il y a les lois de Nuremberg de 1935, et à ce moment-là, tout le monde lui dit « Ah non, t'es pas Allemand, toi. Toi, t'es autre chose, toi. Il sait même pas qui il est. » Et donc, c'est les autres qui n'arrêtent pas de lui dire qui il est. Et lui, il ne se vit pas comme ça, il se vit pleinement, comme chaque individu se vit pleinement, avec sa famille, avec ses amis, et puis il a une identité complète, complexe et complète. Et là, on lui dit, non, ton identité, c'est uniquement ça. T'es un sale métis, et ainsi de suite. Et lui, et après, il y a d'autres personnes qui vont le traiter autrement. Et à chaque fois, c'est les autres qui lui disent qui il est. Et à chaque fois, c'est une fraction de lui-même. Et il est, en fin de compte, il est métis. Ça veut dire que quand on est métis, c'est qu'on est blanc. Quand on est métis, c'est qu'on est noir. On est les deux. C'est une richesse. Alors que là, on lui dit, non, c'est du moins. Donc là, c'est plus, plus. Il est, allemand. Sa mère, elle est protestante. Son père, il est musulman. Il est français. En même temps, il n'est pas vraiment français parce qu'il est colonisé. Donc c'est le code de l'indigénat pour les siens et tout. Donc, mais il a toutes ses identités-là à la fois. Donc c'est du plus, 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 plus. Et tous les gens lui disent moins, 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 moins. Hein? Donc voilà ce que je voulais dire dans le roman, c'est ça. C'est-à-dire, pour chacun, l'identité nationale, elle est différente. Moi, Mais j'ai jamais vécu en Belgique. Mes arrière-grands-parents étaient belges, ils viennent de là-bas. J'aime beaucoup la Belgique, j'y ai jamais vécu. J'y vais avec plaisir et je me sens belge. J'y ai jamais vécu, mais je me sens pour une part belge. Ma femme, elle est née à Paris. Son père était italien. Il avait fui la dictature de Mussolini. Sa mère, elle était espagnole. Elle avait fui la dictature de Franco. Et elle est née espagnole à Paris. Quand il a fallu refaire ses papiers il y a 3 ans, alors qu'elle était naturalisée depuis 1955, il a fallu redonner toutes les preuves. On lui disait, non, vous n'êtes pas français, donnez-nous la preuve. C'était il y a 3 ans de ça, ma femme. Ma grand-mère, qui s'appelait Marie Bopp, elle était alsacienne et elle est née en Alsace quand c'était les Allemands, avant la guerre de 14, qui occupaient l'Alsace. Et en 1914, on lui a demandé, est-ce que vous voulez choisir entre la France et l'Allemagne ? Elle a choisi la France, elle est partie de son pays, Colmar, elle est venue s'installer à Paris. Ses deux frères, ils ont dit, nous, on reste allemands. Et ils ont fait la guerre du côté des Allemands. Vous voyez, ça, c'est ma famille. Donc, il y a des morceaux partout. Je me sens alsacien, je me sens allemand, je me sens belge, parce que dans ma famille, il y a tout ça qui est passé. Puis après, ma sœur, elle s'est mariée avec un Algérien. Donc, j'aime bien l'Algérie, je suis allé en Kabylie. Puis ses enfants, la grande fille de
de ma sœur et puis de mon beau-frère algérien. Elle est à moitié algérienne, à moitié française, et elle s'est mariée avec un juif. Ça n'a pas été facile, mais il y a eu un mariage extraordinaire avec de la musique juive et puis de la musique kabyle et algérienne. Donc l'identité de chacun, et chacun pourrait faire ça en regardant un petit peu sa famille, d'où ça vient, et comment on met tous les morceaux. Est-ce que les morceaux, on en rejette une partie ou est-ce qu'on prend tout? Moi j'ai l'impression qu'on prend tout. L'engagement contre le racisme, bon, il est toujours, mais il y a un côté, il y a sûrement un côté familial au départ, c'est-à-dire que j'ai toujours vécu dans un environnement comme ça de gens qui étaient solidaires avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Tout, il y avait la guerre du Vietnam. Un jour, il y a des Vietnamiens qui ont habité chez moi. Mais ce n'était pas n'importe quel Vietnamien. Il y avait des conversations secrètes entre les États-Unis et les guérilleros vietnamiens, comme ça. Et c'était des conversations secrètes. Il ne fallait pas qu'on sache où étaient les Vietnamiens. Et ces émissaires vietnamiens qui venaient du Vietnam et qui étaient des combattants, ils étaient planqués chez moi. C'est-à-dire que ma mère était en relation... et tout, donc il y en avait quatre, alors j'ai des photos comme ça avec eux et tout, et j'étais dans une famille qui était solidaire de gens qu'ils ne connaissaient pas, puis d'un seul coup il y a ça. Et ils sont restés 15 jours planqués dans la cité où j'habitais, comme ça, puis après les journalistes se sont doutés d'où ils étaient, et ils sont partis, et j'ai su récemment qu'ils ont été après, les 15 jours restants, ils étaient reçus chez... quelqu'un, une grande résistante, que vous connaissez peut-être le nom, qui était Lucie Aubrac. Et donc, en lisant un jour un livre, je tombe sur le fait que, comment il y avait les noms des quatre émissaires. Donc voilà, il y a ça l'environnement familial est important, comme ça, de pas avoir de préjugés sur les autres peuples. Donc, et de savoir qu'il y a des choses à apprendre, qu'on peut leur apporter et qu'ils peuvent nous apporter, donc qu'on est dans l'échange. Il y a ça. Et puis, ce que je voulais expliquer sur ma famille, quoi, il y a tout le monde dans les familles, comme ça. On est dans un monde... une des raisons essentielles où le racisme est une folie sans avenir, c'est que l'homme a inventé les trains, l'homme a inventé les avions, les voitures, Internet et tout. Ça voyage de plus en plus. Et de plus en plus, les peuples se rencontreront de plus en plus. Donc, on est dans un monde qui est un monde maintenant qui de plus en plus, les barrières, les murs et tout deviendront insupportables à chacun. Et il faudra un jour, si on veut continuer à vivre entre nous comme ça, entre soi, il faudra qu'ils construisent des murs pour les avions, quoi, un de ces quatre, s'ils veulent arrêter la marche du monde. Le thème du métissage au cœur de l'Europe, comme ça, c'est encore quelque chose qui est pas résolu, qui produit encore beaucoup d'interrogations et de réflexions.